Bonjour, aujourd'hui on va voir une autre astuce, c'est Excel. C'est donc ici un texte ou bien une phrase qui est écrite sur Excel. Chaque ligne donc contient un morceau de phrase qu'on veut rendre ici en une phrase ou bien une paragraphe sur une ou deux lignes. Donc la première des choses donc ici, c'est un petit peu élargir la colonne pour que la phrase peut être contenue dans une ou deux lignes. Donc ensuite, sélectionner toute la phrase comme ça, aller à accueil et ici justifier. Donc voilà la phrase, au lieu d'être continue sur plusieurs lignes, il est en sur deux lignes selon la largeur de la colonne. Ça d'une part. Si par exemple la colonne il est comme ça, on sélectionne la phrase et justifie et voilà donc, etc. Autre chose, c'est par exemple ici, nous sommes le 09-04-2015. Voilà donc ici parce que ici c'est il est en jour. Donc on va donc standardiser un petit peu bien standardiser. Voilà donc 01-04-2015. Voilà. Voilà donc tiens comme ça. Donc 1, 2, 3, etc. Le 1. Ok, donc mettre aujourd'hui le 9-04-2015 et tirer comme ça. Voilà donc. Ok, donc l'astuce, la deuxième astuce donc, c'est par exemple lorsque je veux utiliser ici les séries, donc avec un pas, si je veux par exemple monter avec deux pas, je marque ici 2, il va me donner donc ici le 9, le 11, le 13, etc. Ok? On saute une journée. Si je veux par exemple sauter une semaine même, je peux même marquer ici par exemple une série avec 7 jours. Ok, selon donc le pas que je veux. Ici par exemple, si je veux donc ici égal si cette case est différente de vide, point virgule, ceci c'est non 8. Voilà donc ici parce que ça est écrit ici en GG pour visualiser la journée. Et je tire donc. Donc c'est toujours le jeudi ici. C'est normal parce que c'est le jeudi parce qu'on n'en sortait pas une semaine. Si je vais par exemple, je fais comme ça normal. Donc jeudi, vendredi, samedi, etc. Ok? C'est. Parfois, on veut éliminer les samedis et les dimanches. Comment faire donc? Sélectionnez, descendez ce que descendez ici, sélectionnez une série et ici cochez jour ouvrable. C'est-à-dire, il va éliminer les samedis et les dimanches. Ici, on veut lui dire par exemple arrêter au 16, par exemple 16-04-2015, par exemple, voilà. Attendez, utiliser un nombre entier, laissez-moi peut-être. Ah, voilà, parce que ici, un petit peu. Voilà. Voilà donc. Et là, arrêter ici au 16. Donc, jeudi, vendredi, samedi, etc. Si on lui dit par exemple d'arrêter au 20. Attendez. Si on lui dit d'arrêter donc jusque 20, par exemple. Jour ouvrable. Fin. 04-2015 et en même temps on se tend avec 12 jours, voilà, donc là, le 9, le 13, le 15, le 17 et sans marquer le samedi, le samedi si on va laisser par exemple attendez, il faut toujours effacer, recommencer le série avec 2 jour ouvrable, on arrête ici à 22 ou bien 25, même 25 04-2015. Voilà donc, il a sauté le samedi dimanche ici, etc. Ok, à la prochaine donc. Merci. Voilà, il a arrêté ici à midi parce que à la prochaine.